Découvrir les Miss Notes. Les Miss Notes sont le fruit de ma créativité. Je suis artiste digitale, touch screen artiste. Je crée avec mon doigt, directement sur l'écran de mon iPhone, sans aucune autre application que les notes, et je crée des portraits de femmes. Tout a commencé un soir de janvier 2016. Je venais de rendre mon atelier, voilà. Et puis un atelier, un bel atelier où je peignais avec des pastels, des pigments, des pinceaux sur des grandes toiles en lin. Mais voilà, plus d'endroit pour peindre. Et au même moment, je décide d'acquérir le dernier iPhone. Et le soir, je rentre chez moi, impossible de trouver le sommeil. 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, toujours les yeux ouverts. Alors, je plonge mon bras dans l'obscurité, j'approche mon iPhone et je me dis, tiens, quelles sont les dernières fonctionnalités de ma dernière acquisition? Alors, je regarde, je cherche, j'ouvre les notes et je me dis, qu'ont-elles de nouveau ces notes? Là, je clique, surgissent 3 crayons, une gomme, une règle, quelques couleurs. Instinctivement, je pose mon doigt sur l'écran et je commence à créer ce qui sera, sans le savoir, ma toute première Miss Note. Alors, pourquoi Miss Note? Miss parce que ce sont des femmes, Note parce que je les réalise dans l'application Note. Vous connaissez cette application? Voilà, on peut prendre, comme son nom l'indique, des notes, on y inscrit quelques mots. Alors, je réalise une Miss Note, puis 2, 3, je les poste sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz, et là, je développe une série de e-portraits de femmes digitales, innovantes, les notes, multiethniques, le regard frontal, l'air affirmé. À votre avis, d'où vient la créativité? Qu'est-ce qui vous pousse à créer? Alors, quelle a été votre dernière création? La forme qu'elle a prise, d'où elle est venue? Alors, en ce qui me concerne, la créativité, ce soir-là, a pris la forme, je dois le dire, d'un véritable coup de foudre. Une rencontre presque fusionnelle avec l'écran de cet iPhone. D'abord, sans toucher, frais, lisse, délicat. Et puis, le tapotement des doigts sur l'écran comme une musique. Et cette palette quand même extrêmement réduite, qui vous pousse à vous réinventer. La créativité prend donc naissance dans la curiosité. Mais souvenez-vous, tiens, qu'ont-elles de nouveau ces notes? Oui, c'est bien le fait d'explorer. Et paradoxalement, cette créativité prend aussi naissance dans le lâcher-prise.
laisser venir à soi l'instant présent. C'est vrai. Si vous travaillez la matière vous répond, elle vous fait créateur. La créativité est donc bien ce paradoxe qui s'auto-nourrit entre aller vers par la curiosité et laisser venir à soi par le lâcher prise. Ce qui permet donc au Misnot de se révéler. C'est l'art révélation. Et cette créativité est un processus infini, c'est permanent, qui se propage. Une Misnot amène une deuxième Misnot, puis 3, 30, 40, 80 Misnot. Aujourd'hui, les Misnot sont rétroprojetées sur les monuments nationaux, devant la pyramide du Louvre, sur l'Arc de Triomphe. On peut les voir dans les musées, aux têtes, à Londres, à côté d'un bon art. Et puis, lors de nuits blanches, sur des façades numériques. Pourquoi pas vous ? Bah oui, vous aussi. Laissez-vous surprendre par cet effet de propagation. Parce que tout le monde ici peut créer, quel que soit votre domaine, oui, du domaine artistique, qui est le mien, jusqu'au domaine scientifique. Avant d'être artiste peintre, j'étais comédienne. J'ai eu la chance de jouer au théâtre, j'ai tourné, j'ai même été animatrice, j'ai chanté. Eh bien, que ce soit la rencontre avec les notes de l'iPhone ou la rencontre avec un personnage, le processus créatif qui mène à la révélation est identique. D'abord, vous faites l'expérience de la matière. Vous cumulez de la connaissance. Bon, pour l'artiste peintre, les formes, les couleurs, et puis pour la comédienne, eh bien, la respiration, la voix, le volume. Le débit, accéléré, ralenti, la gestuelle, le corps dans l'espace. Et puis une fois que vous avez aiguisé votre instrument, et bien comme le peintre avec sa palette, vous faites preuve de curiosité avec le texte de l'auteur. On se fait plaisir, citons Shakespeare, Roméo et Juliette. Galopez prestement, coursiers au pied de feu. C'est magnifique. Alors là, on explore, on cherche, on travaille le texte dans tous les sens, on expérimente. Alors, Juliette, alors galopez prestement, coursiers au pied de feu. Moi, Juliette est amoureuse, est amoureuse lui aussi, mais voilà, les familles ne sont pas d'accord, c'est pas possible, donc c'est pas possible, c'est grave, c'est dramatique. Galopez prestement, coursiers au pied de feu. Non, ça, c'est pas du tout Juliette. Juliette, elle est beaucoup plus fraîche, plus jeune. Juliette, c'est plus... Oui, c'est ça, c'est plus volatile. Galopez, prestement, coursiers au pied de feu. Oui, elle prie, elle supplie. Voilà, on cherche, on expérimente. Et puis, à un moment donné, on lâche prise. Et là, le personnage vient à vous. Il s'incarne à travers vous. Galopez prestement, coursiers au pied de feu. C'est l'art révélation. Encore. Et vous alors, qu'est-ce qui se révèle à vous? J'étais peintre, j'étais comédienne, et puis un matin, je me rends sur un tournage, et là, tout à fait par hasard, je croise une amie. Elle me dit « Tiens, Stéphanie, tu donnerais pas des cours de théâtre, c'est pour ma fille. » Bon, jusqu'ici, moi, j'ai surtout joué la comédie, mais écoute, pourquoi pas? Je veux bien essayer. Alors, j'ouvre un cours de théâtre. Première année, expérimentale. Donc, j'accueille bien sûr des passionnés de théâtre. Et puis là, j'ai quelques timides, des anxieux aussi. Et puis, l'année suivante,
j'ouvre un cours de préparation mentale pour les auditions, les castings, pour avoir une meilleure gestion du stress en situation de concours. Et là, une nouvelle matière s'offre à moi. Les timides, le théâtre, la gestion du mental. Alors, comme dans un petit laboratoire, je commence à faire mes expériences. Plus fort, oui, moins vite. Ah, on va travailler le mental. Et là, je m'aperçois qu'avec une meilleure connaissance physiologique et mentale, le timide pouvait faire preuve de curiosité avec le monde qui l'entoure, tout en lâchant prise par rapport au regard des autres, ce qui lui permettait de se révéler, révéler sa personnalité, et donc gagner en affirmation. De la créativité digitale, je passais à la créativité théâtrale, mais appliquée à l'humain. Waouh ! La créativité comme levier de confiance, d'affirmation. Alors, vous vous souvenez, hein, par effet de propagation, une chose qui en amène une autre, eh bien, je commence à construire, à imaginer des exercices qui deviennent des outils, et puis sans m'en rendre compte, finalement, je commence à créer une méthode. Et un soir, je jouais au théâtre, et dans la salle, un directeur de cabinet d'une entreprise aéronautique vient me voir, il avait vu le spectacle, et puis il me retrouve. À la sortie des artistes, il m'interpelle. « Madame Raphaël, je trouve que vous avez une bonne diction. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour notre dirigeant ? Il parle vite et il voudrait gagner en impact. » Moi, jusqu'ici, j'ai accompagné que des particuliers, mais écoutez, pourquoi pas ? Je veux bien essayer. Et depuis, la méthode inédite qui venait d'être créée, recommandée aujourd'hui par les scientifiques, a aidé plus de 2500 personnes dans les hôpitaux, les centres de recherche, les entreprises et les universités à se révéler. Avec des outils adaptés, issus de méthodes créatives, on pouvait ouvrir de très grandes portes. Je me souviens d'Emeric. Emeric, je l'ai rencontré à l'INRIA, un centre de recherche dans le numérique. Emeric est doctorant. Il allait bientôt soutenir sa thèse et il était terrorisé à l'idée de prendre la parole en public. Pour lui, c'était un véritable handicap. Emeric, c'est le seul participant que j'ai eu. Il s'était assis de profil et quand son regard croisait mon regard, il tournait la tête. C'était émouvant. Emeric au sein d'un groupe. Lorsque je demandais à tout le monde de lever les bras, je vous montre le maximum d'Emeric. Donc là, on était au maximum. Tellement le pauvre, il se sentait ridicule, il n'osait même pas lever les bras. Emeric, au sein de son laboratoire, personne ne connaissait le son de sa voix, il rasait les murs. Eh bien, Emeric a investi du travail personnel. Il a appris à respirer. Il a posé le discours sur la respiration. Il a donné des gestes. Sa voix a commencé à sortir, elle est à l'intérieur, elle est sortie. Et puis, il a récupéré de la confiance. Et je le raconte parce que l'histoire est belle. Emeric a soutenu sa thèse avec les félicitations du jury pour son aisance à l'oral. C'est une belle histoire. Et d'ailleurs, Emeric, je lui ai envoyé un petit texto il y a 2 jours. Je lui ai dit, Emeric, je vais parler de toi. J'ai la chance d'être invité au TED. Et alors, je vais vous montrer la réponse parce qu'elle est jolie aussi. Donc j'en ai profité pour lui demander comment se passaient ses prises de parole. Et il m'a répondu, je viens de faire une présentation à un congrès. Tout le monde m'a dit que je me débrouillais vraiment bien à l'oral, ça m'a fait super plaisir. C'est vrai qu'avec des petites portes, avec des vrais outils, on peut vraiment ouvrir le champ des possibles. Claire, manageuse dans une grande entreprise. Alors Claire, elle avait un double défi, elle devait animer des réunions et faire des présentations. Claire, elle manquait tellement de confiance en elle. Pendant ses réunions, elle prétextait avoir oublié un dossier, elle fonçait aux toilettes, on la retrouvait par terre, elle s'aspergeait d'eau.
Claire, elle est venue à ma rencontre, et la toute première fois que je l'ai rencontrée, elle ne donc pouvait pas prononcer le mot présentation, elle fondait en larmes. Donc je vous raconte le premier entretien avec elle. Donc elle est venue me voir, dire bonjour Madame Raphaël, voilà, dans une semaine, donc j'ai une présentation. Ah, c'était la première phrase de Claire. Je dis, mais on va prendre le temps, on va prendre le temps. Alors, racontez-moi, Claire, donc, le sujet de votre présentation. Alors, voilà, Madame Raphaël. Donc, oui, bien sûr. Alors, le sujet de la présentation. Voilà, donc, une heure, on n'a pas dépassé cette phrase avec ce mot-là. Et puis, elle est revenue me voir. On a travaillé. Elle a appris à mieux s'occuper d'elle. Elle a désinvesti le regard des autres. Petit à petit, elle a récupéré en confiance. Elle a gagné surtout en concentration. Et aujourd'hui, Claire a une promotion. Et je ne résiste pas à vous parler de Jérémy. Jérémy, je l'ai rencontré à l'école de la Nouvelle Chance, phobique sociale. Donc Jérémy déscolarisé, rescolarisé. L'année dernière, il devait passer son bac de français, l'oral blanc. Il n'a pas pu se présenter, il a passé 3 heures à pleurer dans le bureau de la directrice. Premier cours avec Jérémy, aucun son. Au sein de sa classe, personne n'entendait un mot, en tout cas en groupe, de Jérémy. Et pareil, on a fait des exercices, d'abord physiques, et petit à petit, voilà, on a entendu un mot, puis deux, puis après on a récupéré en résistance, on a surchargé. La sensibilité qu'il avait, on l'a canalisée. Donc double victoire pour Jérémy, il a réussi à se présenter déjà à l'oral, c'était déjà formidable, et il a eu 14. Donc les exemples paraissent extrêmes, timides, pathologiques, dirigeants, mais eux, c'est nous, et tout le monde peut progresser à l'oral, avec des techniques basées, entre autres, sur les techniques d'acteurs, une bonne gestion du mental, pour tous, c'est possible. J'étais quand même loin de me douter, finalement, de tout ce que la créativité allait me permettre de réaliser. Elle m'a permis de soutenir, d'aider les gens à mieux se connaître. Et toutes ces femmes digitales, ces Miss Notes, finalement, elles m'ont poussée à quoi? Elles m'ont poussée à m'engager, elles m'ont rendue plus généreuse. Pour ces femmes, j'ai donc mis au point des outils pour qu'elles puissent être plus assertives, développer de l'autorité naturelle dans la détente, à la fois dans leur domaine professionnel, mais également personnel. Ces Miss Notes qui m'ont rendue plus généreuse. Aujourd'hui, ces Miss Notes soutiennent l'Institut Gustave Roussy. C'est-à-dire que, simplement, pour chaque Miss Note que vous souhaitez acquérir, une Miss Note est offerte à l'Institut, dont les bénéfices vont soutenir la recherche. Et puisque les Miss Notes sont une grande chaîne de femmes, une chaîne sororelle, eh bien j'ai le plaisir de mettre en lumière mes ambassadrices, qui sont Asia Benziane, si vous la voyez apparaître en haut à gauche. Asia, formidable, elle est membre du G7, elle œuvre au quotidien pour la parité homme-femme. Toute jeune, à 18 ans, elle a créé des écoles en Afrique pour l'éducation des petites filles. À côté d'Asia, Eleanor Soyer. Pilote à seulement 17 ans, elle représente aujourd'hui l'aviation légère française. Vous avez en dessous d'Asia Nathalie Le Bavotier, formidable, une femme de cœur, d'action. Nathalie est fondatrice d'Ekyog, une marque de mode, une des toutes premières éco-responsables, une pionnière. Et puis Christelle Chollet, douée, merveilleuse actrice de musical, douée pour le rire, douée pour l'humour et directrice du théâtre de la Tour Eiffel. Et parce que les Miss Notes continuent à se réinventer, eh bien, je me suis mise en cuisine, j'ai concocté un colino chorizo, que vous voyez là, que j'ai transformé en Miss Food. On se réinvente. Et entre deux recettes, il m'arrive de prendre en photo mes baskets que je transforme en Miss Street. Voilà. La créativité vous apprend sur vous. La créativité vous révèle. Et la créativité est partout. Moi, c'est vrai, tout m'inspire. Un son,
une couleur, le silence, une voix. Mais tout le monde peut créer, quel que soit ton domaine. Que tu sois musicien, danseuse, bricolo, artiste, devant ta page blanche, derrière tes fourneaux, ton microscope, allez demain, chantons sous la douche, codons, osons, expérimentons, créons. Merci.